L'idée était toute simple, relier Paris et Londres en kayak et en solitaire à la veille des Jeux Olympiques. Mais parfois, la météo en décide autrement. Cette nuit à 4h du matin, je suis sorti pour retendre ma tente qui prenait un petit peu l'eau, donc le duvet un peu mouillé, le matelas aussi. J'ai bien dormi, mais par petite période. Et puis voilà, petit déjeuner, il pleut, et puis je vais me maquiller. Bon bah, je viens de passer une bonne demi-heure, 40 minutes à descendre le bateau en rappel le long des escaliers qui sont là, pour réussir à le remettre à l'eau parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Et je suis mort et ça me fatigue plus que de pagayer, de le tirer hors de l'eau, de le descendre le long des bords de la Seine qui sont faits pour les péniches avec des grands quais en hauteur pour débarquer mais qui sont absolument pas faits pour les kayaks. Alors je me retrouve obligé de prendre des escaliers avec un bateau qui fait 5 mètres et demi, qui doit bien peser 60 kg et qui est pas vraiment manœuvrable. Enfin bon, c'est fait, je vais pouvoir me laisser glisser un peu sur le courant avant de devoir repagayer puisque le courant qui est créé par les écluses va pas durer plus d'un kilomètre ou un kilomètre et demi quoi. Allez, c'est pour ça qu'on est venu, à plus tard.
Après une semaine d'expédition, les batteries tombent à plat. Le panneau solaire est inutile car il a plu 6 jours sur 7. J'arrive malgré tout à l'embouchure de la Seine et je suis plutôt content. Après la pluie, c'est un régime perturbé d'orages et de coups de vent qui s'installe. Je vais passer plus de 14 jours bloqué à terre. C'est le son de l'orage. Wow. Bon, a priori, ma nouvelle tente est étanche. J'espère juste que j'ai rien qui va attirer la foudre. Et on va attendre que ça passe. Après le départ, le retard accumulé me fait manquer la fenêtre prévue pour traverser la Manche avec les courants de marée les moins violents. Je ne pourrai pas rallier Londres en kayak avant le début des Jeux Olympiques. Je jette donc l'éponge après 445 km d'expédition et quelques centaines de milliers de coups de pagaie. Thank you.